Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai une information très très importante à vous communiquer. La Confédération africaine de football, au mois de novembre prochain, va accueillir à Kinshasa, l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Mais il y a une tentative de vouloir sauver Véron Mossengo. Et par conséquent, le même Véron Mossengo vient mentir. Je dis bien, Véron Mossengo vient mentir et il fait des propositions qui n'ont jamais, je dis jamais, j'ai la preuve que ce qui est écrit dans le document que je vais vous lire tout de suite, il est là. C'est faux. Aux membres du comité exécutif de la CAF, le Caire, le 8 septembre 2024, donc dimanche. Dimanche, hein? La CAF travaille le dimanche, il faut noter. Le Caire, le 8 septembre 2024. La CAF travaille le dimanche. C'est une très bonne chose. Proposition de modification des statuts et des règlements d'application des statuts ainsi que du règlement intérieur de l'Assemblée générale de la CAF par les associations nationales. Je relis, hein. Proposition de modification des statuts de la CAF et des règlements d'application des statuts ainsi que du règlement intérieur de l'Assemblée générale de la CAF présenté par les associations membres. Chers membres de l'Exco, l'administration de la CAF a reçu des propositions d'amendement des statuts de la CAF et du règlement d'application des statuts ainsi qu'au règlement intérieur de l'Assemblée générale de la CAF pour soumission à l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, la 46e, qui se tiendra en octobre, pardon, j'ai dit en novembre, mais c'est en octobre, le 10 octobre 2024 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les propositions sont les suivantes. Avant de lire les propositions, je tiens à vous dire que les fédérations que je vais citer ne se reconnaissent pas dans ces propositions. J'ai la preuve. Monsieur Véron Mossengo, on va vous traquer parce que vous avez menti. Vous vous souvenez de la proposition de la Fédération zambienne l'année surpassée en 2022 que vous avez botté en touche? Je vous dis, monsieur Mossengo, j'ai la preuve. Et si vous vous amusez, on va vous mettre devant les faits. Cessez de mentir aux Africains. Je continue. La Fédération de football des Comores, soutenue par la Fédération de la République islamique de Mauritanie, la Fédération de football de Botswana, la Fédération de football de Somalie et la Fédération de football du Libéria proposent d'amender l'article 18. Paragraphe 9 des statuts de la CAF en supprimant la limite d'âge existant pour les candidats nommés à la présidence du comité exécutif de la CAF. Lisez bien, amender l'article 18, paragraphe 9 des statuts de la CAF en supprimant la limite d'âge existante pour des candidats nommés à la présidence et au comité exécutif de la CAF. Je vais vous dire ça tout à l'heure. À quoi ça renvoie? Amender les statuts, amender l'article 18, pardon, paragraphe 13A des statuts de la CAF en supprimant les regroupements actuels de l'union zonale utilisés pour les élections des membres
africain du Conseil de la FIFA. 2. La Fédération nigérienne, la Fédération gabonaise et la Fédération équato-guinéenne de football proposent de modifier l'article 18, paragraphe 9 des statuts de la CAF en supprimant la limite d'âge actuelle pour les candidats nommés à la présidence et au comité exécutif de la CAF. La Fédération équato-guinéenne de football propose de modifier l'article 18, paragraphe 13 des statuts de la CAF en supprimant les regroupements actuels de l'union zonale utilisés pour les élections des membres africains au Conseil de la FIFA. Vous trouverez 6 juin les propositions reçues des membres des associations surnommées ainsi que résumées. Je vous prie agréer l'expression de mes sentiments distingués. Véron Mosengo, Omba, secrétaire général. Je veux vous dire quelque chose. Prenez ça pour dit. La Fédération nigérienne de football, la Fédération gabonaise de football, la Fédération équato-guinéenne de football, la Fédération des Comores, la Fédération du Botswana et la Fédération de Somalie et du Libéria ne se reconnaissent pas en ce que vient de dire M. Véron Mosengo. Et M. Véron Mosengo, si vous voulez nier, je vais sortir la preuve. Cessez de mentir. Voilà ce qui se joue. Il y a un candidat qu'on veut mettre à la présidence de la fédération de la CAF et qui est frappé par la limite d'âge. Je vais donner sa nationalité. Il y a un candidat égyptien qui est là pour remplacer Motsepe. Parce que Motsepe ne va pas se représenter. Ça, je vous dis ça. Et je suis le seul journaliste africain à avoir ça. Je ne me lève pas le matin pour venir nuire aux gens. Monsieur Véron Mosengo, vous voulez nous dire que c'est cet Égyptien qui va vous maintenir au poste de secrétaire général. Vous avez menti. Vous avez menti. Et par cette vidéo, je demande à monsieur Motsepe de vous virer de votre fonction de secrétaire général. Vous ne devez pas prendre les Africains pour vos cons et pour vos chiens. Monsieur Mosengo, voilà ce que je vous dis. On dit amender l'article en supprimant la limite d'âge pour les candidats nommés à la présidence et au comité exécutif de la CAF. Première information, Motsepe ne va pas se représenter. Exclusivité, Richard Naha, signé Naha. Parce que il veut mettre un Égyptien. Il veut contenter les Égyptiens. Un Égyptien qui a atteint la limite d'âge. Voilà pourquoi il faut faire sauter ce verrou. Et je vous dis que la Fédération nigérienne, la Fédération gabonaise, la Fédération équato-guinéenne, bref, toutes ces fédérations de l'Afrique centrale ne se reconnaissent pas. Ne se reconnaissent pas. Donc, Véron Mosengo, je ne vais pas vous traiter de menteur, mais ça, c'est du mensonge. Et monsieur Véron Mosengo, si vous êtes courageux, faites une vidéo où vous me dites, où vous nous montrez les 10 propositions.
faites une vidéo, vous nous montrez les 10 propositions. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Voilà. Sur ce, bonne assemblée générale à Kinshasa. Mais votre coup ne va pas réussir. Votre coup ne réussira pas. Surtout pas si moi je suis là, Monsieur Mosengo. Vous partirez de la CAF. Et ça, j'ai mis un point d'honneur à ça. Vous allez partir de la CAF. Trop, c'est trop. Votre ami Gianni et vous, la CAF ne vous appartient pas. Vous allez partir. En attendant que j'ai d'autres... Parce que je vais vous dire ce que vous ne savez pas, à vous tous qui me regardez. Véron Mosengo va être viré de la CAF. Et ce papier, il a sorti pour sauver sa tête. Mais il ne sait pas qu'il ne partit. Il va partir de la CAF. Tous les petits journalistes africains que vous soudoyez, ils ne vont pas vous sauver. Ciao.